Alléluia. Acclame bien le Saint-Esprit. Waouh. Amen. Merci la louange. Veuillez prendre place. Que Dieu vous bénisse. Le temps est suffisamment avancé. Alléluia. Bienvenue encore à la MCEA. Bienvenue à la mission chrétienne pour l'épanouissement des âmes, une église de toutes les possibilités. Amen. Si tu nous suis dit à ton voisin, bienvenue dans cette église. Alléluia. Nous voulons saluer tous ceux qui nous suivent en direct de Facebook, tous ceux qui ont la possibilité de suivre ce culte en direct. Amen. Notre premier culte de déconfinement. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur de ce qu'il a touché le cœur des autorités, comme je l'annonçais le dimanche dernier, que le Seigneur allait faire quelque chose de surprenant. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour ce déconfinement des cultes? Alléluia. Alors je crois que tu devais être dans la joie d'être encore dans ces lieux. Alléluia. Waouh. Nous bénissons le nom de Jésus. Donc je voulais commencer, avant de commencer mon message, je voulais d'abord dire à l'église que dès le dimanche prochain, dimanche de Pentecôte, nous allons reprendre nos cultes en direct. Amen. Nous allons reprendre les cultes en direct et nous allons reprendre les cultes en présentiel. Donc pour le faire, nous sommes tenus dans l'obligation de respecter les principes et les normes que l'État a mis en place. Amen. Donc nous aurons certainement une chaise sur deux, nous allons repartir les chaises sur deux, et à l'entrée de l'église, nous mettrons certainement des gels hydroalcooliques pour tous ceux qui vont venir, et tous ceux qui ont des possibilités d'avoir des masques et toutes ces choses-là, n'hésitez pas, quand vous venez à l'église, prenez vos masques à la maison, et ceux qui n'en ont pas, l'église va s'organiser de manière à ce que, quand vous passez le culte, vous puissiez avoir tous au moins un masque. Amen. Est-ce que tu peux acclamer maintenant le Seigneur? Alléluia. Waouh. Alors je vais te demander simplement de prendre ta Bible, de prendre soit un cahier ou quelque chose que tu vas devoir noter, parce que ce que nous allons dire ce matin est très précieux. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu nous conduire dans cet élan, mais nous allons suivre un peu le mouvement de son esprit. Amen. Donc ce matin, je vais te parler d'un titre qui va te sembler un peu bizarre. Tu vas dire à ton voisin, le titre est bizarre. Dis-lui bien, le titre est bizarre. Alors, le titre de mon message de ce matin, c'est « Comment devenir un chrétien ?» Comment devenir un chrétien? Je sais que lorsque je suis en train de parler de ça, beaucoup qui sont dans les maisons sont en train de dire, oh mais pasteur, il suffit d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, on devient chrétien. Mais nous allons comprendre que c'est plus profond que ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Le résultat c'est quoi? C'est que nous avons quelquefois, lorsque Jésus va revenir, nous avons quelquefois d'autres qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'on appelle les enfants de Dieu, mais que Jésus n'enlève pas, qu'il laisse encore sur la terre. Donc Jésus viendra, mais il viendra chercher uniquement les chrétiens. Jésus ne viendra pas chercher certains enfants de Dieu. Est-ce que tu me suis? Il y a une différence. Dis à ton voisin, il y a une différence. Alors, nous devons comprendre. Nous nous appelons généralement par le nom de chrétiens, mais vous savez que si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous aspirons à devenir comme Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu te dis que je suis chrétien, c'est que tout le long de ta vie, tu vas devoir aspirer à ressembler à un homme qu'on appelait le Christ. Amen. Et l'homme qu'on appelait le Christ, quand il était sur la terre, il s'appelait Jésus. De ton passé, il s'appelait Jésus. Donc Jésus n'est pas devenu, lui, le Christ, comme ça, soudainement, par claquement de doigts. Jésus est devenu le Christ, ce n'est pas un jour après. Jésus est passé par ce qu'on appelle un processus. Dis à quelqu'un, le processus. Donc si nous voulons, nous aspirons à devenir comme Christ, pour qu'on nous appelle chrétiens, nous aussi de notre côté, nous devons passer par ce processus. Alléluia. Dis encore à ton voisin, le processus. Le processus. Oui, tout ce que la terre renferme a fait l'objet d'un processus. Ceux qui réussissent sur la terre sont passés par des processus. Si tu veux réussir ton objectif de devenir comme Christ, tu dois devoir passer par des processus. Amen. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire ce matin quelque chose. Tous ceux qui ne passent pas par les processus
ont 90% des chances d'échouer. Est-ce que je me suis? Tous ceux qui n'ont pas respecté les processus pour atteindre des buts ont 90% des chances pour échouer. Mais par contre, ceux qui passent par des processus ont à peu près, on dirait, 99%, presque 100% de chances pour réussir tout ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que tu me suis? Dis à ton voisin encore processus. Processus. Oui, processus. C'est même ce qui explique la différence entre Jésus, qu'on appelle le second Adam, et le premier Adam qui a été créé par l'homme. Leur grande différence se trouvait au niveau du processus. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, au verset 45, il est dit, je lis dans la version parole vivante, 1 Corinthiens 15, 45. Regardez ce que la Bible dit, notez simplement ce passage, 1 Corinthiens 15, 45. La Bible dit, dans les livres saints, on lit, Adam, le premier homme, est un simple être humain qui a reçu la vie. Le dernier Adam est rempli de l'Esprit Saint qui donne la vie. Oui, ce passage est en train de nous parler de deux Adam. Il y a un qui a été créé directement, qui n'a pas connu ce qu'on appelle le processus de la naissance. Qu'est-ce que je me suis? Et il y a l'autre qui est venu au travers d'une femme qui est née sur la terre et donc qui a connu la formation dans le ventre de sa mère et est sortie sur la terre pour marcher au milieu des hommes. Dis encore à ton voisin, deux Adam. Mais on dit que Adam, le premier que Dieu a eu à créer, cet Adam-là a reçu la vie. Mais le second Adam, on n'a pas dit de lui qu'il a reçu la vie. Parce que le second Adam était déjà lui-même la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux acclamer encore le second Adam ce matin. Si tu es dans ta maison, acclame le second Adam. Voilà pourquoi la Bible va me dire, le dernier Adam est rempli de l'Esprit Saint qui donne la vie. Donc, le premier Adam ici, on nous dit de lui, il est quelqu'un qui a reçu. Et le second est quelqu'un qui donne. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a un donneur et il y a un receveur. Dans l'église, nous avons ces deux catégories de personnes. Demande ton voisin, tu es un donneur ou tu es un receveur? Bouscule le bien, dis-lui à celui de gauche, donneur ou receveur? Celui de droite, qui ne veut pas te parler à la maison, c'est ton mari, dis-lui, donneur ou receveur? Dis-lui bien, tu es donneur ou tu es receveur? Amen. Vous voyez que les receveurs, c'est des personnes qui n'ont pas passé, qui ne sont pas passées par des processus. Les gens qui n'ont pas souffert pour obtenir des choses, ils veulent encore plus. Ceux qui ont souffert pour obtenir certaines choses, ils sont passés par des étapes. Ils prennent le soin de faire à ce que les gens reçoivent le meilleur d'eux. Dis encore à ton voisin, donneur ou receveur. Dis-le bien, donneur ou receveur. Alléluia. Voici un peu les deux caractéristiques de celui qui a connu le processus et celui qui n'en a pas connu. Alors, parlons un peu du premier Adam. Le premier Adam n'a pas été formé dans le ventre d'une femme, comme je disais tout à l'heure. Il a été directement formé à l'extérieur par la main de Dieu. Tandis que lui, le second Adam, a pris le temps de passer par le processus fécondation, ainsi de suite. Et en plus, il est resté 9 mois dans le processus, les hommes ne le voyaient pas encore. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, il est resté dans le ventre. Amen. Donc le premier est sorti directement, était directement manifesté, mais le second a pris le temps d'entamer d'abord un processus avant de sortir sur la terre. Je vais te dire quoi ce matin? Je vais te dire que ce qui se prépare à être grand, tout ce qui relève de la grandeur, prend d'abord forme dans le secret. Est-ce que tu me suis? Si tu veux être grand, travaille dans le secret, pas publiquement. Parce que dans le secret, c'est là qu'on cultive des processus et des process de départ. Est-ce que tu me suis? Si tu n'arrives pas à travailler d'abord dans le secret, tout de suite tu as besoin des projecteurs. Le problème que tu auras, c'est que tu vas chercher à ce que les gens puissent te donner plus encore. Faites ceci, faites cela, allez-y, vas-y, fonce. Parce que tu es un receveur. Tu attends des gens. Mais quand tu prends le soin, dans le secret de te préparer, le Seigneur te prépare également pour la grandeur. Dis à ton voisin, travaille dans le secret.
Dis-lui bien, travaille dans le secret. Travaille dans le secret. Oui, lorsque tu travailles dans le secret, tu ne choues pas. Parce que tu prends le temps d'analyser, d'étudier les choses. Et lorsque ces choses que tu as apprises dans le secret se manifesteront, les hommes vont t'acclamer, ils vont te chercher. Alléluia. Dis encore à ton voisin, donneur ou receveur. Le donneur ou receveur. Donc il est important pour chacun d'entre nous de respecter le processus. Amen. J'ai toujours l'habitude de dire souvent, le château de Versailles n'a pas été bâti en deux jours. La tour Eiffel n'a pas été érigée en deux jours. Ça a pris vraiment du temps. Donc ce qui demande du temps fait l'objet d'un processus. Deuxième remarque, c'est que le premier Adam n'est pas passé par la naissance. Le premier Adam n'est pas passé par la naissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Le premier Adam n'est pas passé par la naissance. Ce qui fait que le premier Adam n'a pas eu la capacité de faire naître de nouveau. Lorsqu'il enfantait, ses descendants n'étaient pas des nouvelles créatures. Parce qu'il n'est pas passé par la naissance. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi c'est comme ça? Est-ce que vous savez pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il n'est pas passé par la naissance et il n'a pas la capacité de récréer? Parce que tu ne peux pas rentrer dans des processus que toi tu n'es pas passé. Tu ne peux jamais emmener les gens là où toi tu n'es pas passé. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça, lui qui avait reçu la vie, lorsqu'il donnait, il a commencé à faire des enfants. Ces enfants-là, en eux, n'étaient pas la vie. Il n'y avait pas la vie en eux. Je parle de la vie de Dieu. Est-ce que tu me suis? Dis à ton voisin, respecte les process. Dis-lui bien, respecte les process. Or, le second Adam, qui a connu la naissance, la Bible dit de lui, il est la parole. Et lui, il a la capacité de t'engendrer, de te faire naître de nouveau. Alléluia. Alléluia. Maintenant, lorsque tu passes par la naissance, tu peux exercer sur la terre ce qu'on appelle le vrai pouvoir avec une facilité. Le vrai pouvoir avec une facilité. Je suis en train de te parler du deuxième niveau du process qui est la naissance. Mais je vais te résumer ça rapidement. Lorsque quelqu'un est né, lorsque tu es né sur la terre, tu as la capacité d'exercer facilement le pouvoir avec facilité sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu a donné le vrai pouvoir seulement à la postérité de la femme. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a donné le vrai pouvoir à la postérité de la femme. Adam le premier, il n'était pas né de la postérité de la femme. Adam n'avait pas de mère. C'est le Seigneur qui l'avait formé de ses mains. Mais le second Adam qu'on appelle Jésus, lui par contre, il est né d'une femme. Donc il avait la capacité d'exercer des pleins pouvoirs sur la terre. Tandis que le premier, lui qui n'était pas né, a fini finalement par perdre ce pouvoir-là. Alléluia. Donc la naissance te donne aussi la capacité de gérer le pouvoir que toi tu as reçu de Dieu. Pose la question à ton voisin, tu es né de qui? Pose-lui bien la question, tu es né de qui? Change de question, dis-lui, si tu es à la maison, dis à ton mari, c'est qui ton père spirituel? Pose la question, pose-lui, dis, c'est qui ton père spirituel? Tu es né de qui? Eh oui, la naissance, est-ce que vous me suivez? Mais malheureusement, dans le corps de Christ, nous voyons beaucoup de personnes qui disent « Je suis chrétien. » Quand on lui demande « C'est qui ton père spirituel ?» Il se met à réfléchir. Vous avez déjà vu un enfant qui ne connaît pas son père? Dis à ton voisin « Processus. » Beaucoup ne sont pas nés. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Tout ce qui naît sur la terre, tout ce qui naît, obéit à ce qu'on appelle la loi de la croissance. C'est-à-dire qu'une des raisons qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu ne grandissent pas dans l'église, c'est qu'ils ont du mal à accepter leur naissance. Est-ce que vous me suivez? Beaucoup, soit tu ne connais pas ton père qui est ton père spirituel, c'est pour ça que tu ne peux pas grandir. Tu es toi-même, tu es un singleton. Comment tu as commencé? Moi-même j'ai connu le Seigneur. Ah, par où tu es passé? J'ai appris moi-même. Jésus avait appris lui-même. Et on cite même des exemples, d'autres hommes de la Bible qui ont appris eux-mêmes. Alors, tu étais dans quelle église? Allez, l'église du Saint-Esprit. Quelle école? L'école du Saint-Esprit. En fait, tu es tombé comme ça du ciel, Robinson Crusoe, pas dans le désert. Tu as découvert tout toi-même et tu as eu l'onction et tu commences à marcher au milieu des hommes. Dis à ton voisin, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a un père.
Alléluia. Donc, il faut passer par le processus de la naissance. La naissance. Est-ce que tu me suis? Parlons encore du premier Adam. Le premier Adam n'a pas respecté la parole que Dieu lui avait donnée, n'est-ce pas? Le premier Adam n'a pas respecté la parole. Pourquoi? Parce qu'il avait brûlé les étapes. Dieu lui a dit, étape numéro 1, moi je te présente le jardin. Étape numéro 2, voici le pouvoir qui te revient, de nommer les animaux. Étape numéro 3, j'ai mis dans le jardin un arbre que tu ne devrais pas toucher. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais comme lui n'était pas habitué à respecter les étapes, les process, il n'a pas été engendré dans ces choses. Ce que nous avons vu, c'est qu'il a fini par désobéir à une des étapes les plus importantes qui est l'obéissance à la parole. Dis à quelqu'un, processus. Dis à quelqu'un, processus. Donc, tous ceux qui ne respectent pas les processus finissent souvent par marcher sur les autres. Aussi longtemps que tu ne respecteras pas les processus, tu es devenu quelqu'un à l'église, soudainement comme ça, tout à coup, d'un coup, tu n'as pas été brisé, tu n'es pas passé par l'apprentissage, tu n'as pas fait des formations, soudainement on t'élève comme ça sur l'estrade. Tu risqueras de marcher sur les autres. Amen. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Simplement parce que lorsque celui qui a respecté les processus arrive sur la terre, il rencontre quelqu'un d'autre qu'on appelle Jean-Baptiste. Est-ce que tu me suis? Jésus a respecté le ministère de Jean-Baptiste. Jésus n'a jamais écrasé Jean-Baptiste. Parce que dans la vie chrétienne, il y a ce qu'on appelle la continuité. Est-ce que tu me suis? Dis à quelqu'un, respecte Jean-Baptiste. Bouscule-le bien. Dis-lui, respecte Jean-Baptiste. Hein? Dis-lui, respecte Jean-Baptiste. Oui, vous allez reconnaître des gens qui respectent Jean-Baptiste. Nous avons dans le corps de Christ même des pasteurs qui n'arrivent pas à rentrer dans ce stade-là de respecter Jean-Baptiste. Chacun de vous a la vision. Chacun de vous a sa mission. Mais pourquoi il y a des guerres entre les églises? Nous sommes les meilleurs. Ma vision, c'est la meilleure. Moi, c'est ceci, ceci. Parce que beaucoup de pasteurs ne sont pas aussi passés par des processus. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, respecte encore Jean-Baptiste. Respecte Jean-Baptiste. Respecter Jean-Baptiste, c'est quoi? C'est chacun a un rôle à jouer dans le corps de Christ. Si tu es la tête, tu ne peux pas être au même temps les pieds. Si tu es les mains, tu ne peux pas être au même temps les orteils. Il faut que tu arrives à respecter l'autre. Mais vous remarquerez que ceux qui ont pris le temps d'observer les choses, de se préparer dans le secret, de respecter les processus, lorsqu'ils arrivent à l'église, c'est des gens qui n'empiètent pas sur les autres. Dis amen que je parle. Dis amen bien. Si tu es sur internet, acclame le Seigneur avec tes mains. Alléluia. Acclame bien le Seigneur. Acclame encore bien le Seigneur. Alors je vais revenir donc à mon message. Ça c'était une parenthèse. Je vais revenir donc à mon message. Comment devenir chrétien? Comment faire pour devenir chrétien? Je parlais de la différence entre un enfant de Dieu et puis celui qu'on appelle chrétien. Premièrement, parlons un peu de ce qu'on appelle des enfants de Dieu. Je voulais vraiment que tu notes ces choses ce matin. C'est qui un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a été, la Bible dit, régénéré ou récréé par la parole. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est né de la sémence de Dieu qu'on appelle la parole. Et lorsqu'il est né de la sémence de Dieu, vous allez le reconnaître parce qu'il marche en nouveauté de vie. Il a connu la nouveauté de vie. Ça, c'est un des signes majeurs. Il a connu la nouveauté de vie. Il est engendré par la parole et il a connu la nouveauté de vie. Le signe de la nouveauté de vie, c'est quoi? C'est la conversion. Donc, vous allez distinguer ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas encore par ce qu'on appelle le miracle de la conversion. Lorsque vous voyez quelqu'un dire qu'il est devenu enfant de Dieu et que son comportement, son caractère d'avant n'a pas encore changé, alors vous pouvez remettre sa nouvelle naissance en question. Parce que la Bible dit, tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester pareil. Tu ne peux pas naître de Dieu et rester pareil. Donc il faut au moins que lorsque tu nais de nouveau, que autour de toi, qu'il y a des gens qui regardent et qui disent, waouh, quelque chose a changé dans cet homme. Car il est dit au sujet de la nouvelle naissance, que si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire toute personne qui naissent en Christ, qui deviennent enfants de Dieu, sont des nouvelles créations. La Bible dit que toutes choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau.
On dit même, voici, tout devient nouveau. Voici. Est-ce que les gens ont détecté depuis que tu es enfant de Dieu, les gens ont pu lire en toi ce changement? Est-ce qu'on a constaté que quand tu avais donné ta vie à Jésus, il y avait un changement radical? Amen. Beaucoup ne sont pas transformés parce qu'ils n'ont pas commencé par la conversion. Si tu n'es pas encore converti, Dieu ne pourra pas te transformer. Parce que Dieu ne transforme que les gens qui le suivent. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne transforme pas les païens. Dieu transforme uniquement les païens qui ont accepté de marcher avec lui et qui naissent de lui. En ce moment-là, il arrive à les transformer. Est-ce que tu me suis? Donc c'est des gens qui ont reçu la parole, qui ont reçu Jésus, qui ont cru en Jésus. Et ils ont reçu donc de lui le pouvoir, la capacité de devenir vraiment ce que la Bible appelle les enfants de Dieu. Est-ce que tu me suis? Demande à ton voisin, est-ce que toi tu es un enfant de Dieu? Pose-lui la question. Comment as-tu fait pour entrer à l'église? Pose-lui la question. Est-ce que tu as été converti? Pose-lui la question. Est-ce que tes habitudes que tu avais quand tu étais païen ont changé? Ou tu t'es simplement calmé un tout petit peu en attendant que la marée monte? Alléluia. Mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole. Ça, c'était ce qu'on appelle des enfants de Dieu. Mais voyons maintenant les chrétiens. Il y a une différence. Vous allez voir, les chrétiens. Les chrétiens, c'est qui? C'est qui un chrétien? Un chrétien est avant tout un enfant de Dieu qui marche par l'esprit. Dis à ton voisin, un enfant de Dieu qui marche par l'esprit. Vous trouverez des enfants de Dieu qui ne marchent pas du tout par l'esprit, et vous allez les reconnaître parce que ils n'arrêtent pas d'accomplir ce que la Bible appelle les œuvres de la chair. Tu es né de Dieu, tu es enfant de Dieu, mais tu ne marches pas par l'esprit. Tu n'es pas chrétien. Ça fait bizarre. Je vais vous expliquer. Dis-moi, pasteur, explique. Donc, un chrétien est un enfant de Dieu qui marche par l'esprit et qui manifeste Christ en lui. Deuxième critère. Donc, il est né de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Un chrétien est un enfant de Dieu. Deuxièmement, un chrétien marche par l'esprit. Donc, il n'accomplit pas les désirs de la chair. Troisièmement, il manifeste Christ. Il manifeste Christ en lui. Quelqu'un me suit? Et la conséquence, vous allez reconnaître un chrétien, c'est que son caractère est en train de changer et son caractère avance, ses traits de caractère avancent, il ressemble de plus en plus à Christ. Dis à ton voisin à qui tu ressembles. Dis-lui bien à qui tu ressembles. Oui, à qui tu ressembles. Et vous allez reconnaître le chrétien par la capacité qu'il a à faire des signes, des miracles et des prodiges. Au fait, il permet à Dieu de l'utiliser comme un instrument. Il opère dans le domaine miraculeux divin. Est-ce que tu me suis? C'est ça un chrétien. Donc le chrétien est différent d'un enfant de Dieu. Regardez les paroles. 1 Pierre 4, 16 dit, « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en ait point honte ?» Que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Dans le livre des Actes, Actes 11, 26, je veux que tu notes vraiment ces passages, que tu repasses cet enseignement doucement par la lecture. Actes 11, 26, la Bible dit, « Et l'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche pendant toute une année, et ils se réunirent aux assemblées de l'église. » Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut donc à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Quand vous remontez ce chapitre-là de Actes 11, on vous parle de ce que les disciples étaient en train de faire. Ils opéraient des miracles. Les Simon Pierre pouvait devenir comme ça devant un paralytique. Il dit, je n'ai ni or ni argent, tout ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le paralytique se lève. Les gens, waouh, ils sont comme Christ. On voyait comment ils étaient, l'amour régnait au milieu d'eux. Ils se fréquentaient, ils se visitaient, ils s'appelaient, ils mettaient ensemble ce qu'ils avaient en commun, exactement comme Jésus faisait avec eux. Et les hommes les ont regardés, ils ont dit, waouh, ils sont chrétiens. Bien-aimé, toi tu critiques encore les gens, tu es là encore en train de parler des frères qui ne te connaissent même pas. Tu parles même des gens qui ne te connaissent même pas, tellement la dimension du péché a atteint le paroxysme. Comment veux-tu qu'on t'appelle chrétien? C'est pour ça que Jésus ne viendra pas chercher les enfants de Dieu. Jésus viendra chercher les chrétiens, l'épouse
de Christ s'appelle chrétien. L'épouse de Christ n'appelle pas enfant de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Dis amen que je parle. Dis amen bien que je te parle. Donc, devenir chrétien va te demander de respecter un processus. Un processus. Tout commence par la nouvelle naissance où tu es enfant de Dieu. Mais pour que tu deviennes chrétien, il faut que tu apprennes à marcher, tu apprennes à manifester le caractère qu'avait Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Demande à ton voisin, est-ce que tu es chrétien? Dis-lui bien. Même s'il est à la maison avec toi, bouscule-le. J'espère que les couples ne vont pas se battre ce matin. Dis à ton mari, chérie, est-ce que tu es chrétien? Dis à ta femme, est-ce que tu es chrétienne? Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, pour passer du stade, je disais, d'enfant de Dieu au stade de chrétien, tu vas devoir passer par des étapes. Tu vas devoir passer par des processus. Tu n'as pas le choix que de passer par là. Parce que Jésus lui-même, avant de devenir Christ, Jésus a fait exactement le même chemin. C'est pour ça qu'il est notre modèle parfait. C'est pour ça que la Bible l'appelle le premier-né de toute la nouvelle création. Jésus a respecté des processus. Il est né d'une femme, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais quand il est descendu sur la terre, Dieu n'a pas fait de Jésus Seigneur tout de suite. Jésus marchant sur la terre, Jésus n'était pas, quand on pouvait l'appeler sur la terre Seigneur, c'était un titre honorifique. Mais tant que Jésus n'était pas passé par les processus jusqu'à la fin, Jésus ne voulait pas, ne devait pas avoir la renommée du Seigneur comme étant propriétaire. Est-ce que vous me suivez? Dis à quelqu'un, processus. Oui, j'étais peut-être choqué. Il était Jésus. Tant qu'il n'était pas, il n'avait pas fini les processus, même son nom que le Père lui a donné là, n'avait pas ce pouvoir-là que nous avons aujourd'hui. Parce qu'en Israël, il n'était pas la seule personne qui s'appelait Jésus. Il y avait un autre qu'on appelait Bar-Jésus. Il s'appelait aussi Jésus. Donc son nom était ordinaire. Tant qu'il n'était pas passé par les processus, il avait commencé par la naissance. Oui, ça c'est une étape. Mais pour devenir Christ, il ne s'est pas arrêté à la naissance. Donc quand tu nais de nouveau, il faut que tu arrives à rentrer dans ces processus. Je te donnerai ces processus tout à l'heure. Est-ce que tu me suis? Dis à ton voisin, rentre dans le processus. Rentre dans le processus. Aujourd'hui, nous avons le nom de Jésus, n'est-ce pas? Au nom de Jésus, les démons sont en train de fuir. Au nom de Jésus, les démons font ça. Au nom de Jésus, nous opérons des miracles. Au nom de Jésus, nous sommes libérés. Au nom de Jésus, le sang de Jésus, le sang, Jésus, 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 Jésus. Mais ce pouvoir-là a été donné à Jésus parce que Jésus est passé par les processus et il est devenu le Christ. Est-ce que tu me suis? Dieu ne lève pas les gens qui ne sont pas passés par des processus. Chaque fois que tu vas en sauter les processus et les étapes et que tu tombes dans l'élévation, c'est que c'est une élévation frauduleuse. Dis amen que je te parle. Oui, il y a des gens qui usurpent l'élévation. Ils prennent les carapaces. Ils parlent comme un saint. Mais il n'est pas un saint. Et il arrive à l'église, on l'élève. D'autres, c'est quoi? C'est le cerveau qui enregistre les versets bibliques. Il enregistre les versets bibliques. Quand tu pries comme ça, il y a beaucoup de versets. Tu dis, wow, quel homme spirituel. Or, quelquefois, c'est un païen qui a étudié les versets avec le cerveau. Est-ce que vous me suivez? Donc, Dieu ne va jamais élever quelqu'un qui n'est pas passé par les processus. S'il a fait avec Jésus, qui était son propre fils, il a attendu que Jésus expérimente les processus, il le fera avec toi. Alléluia. Ce qu'il a fait avec le premier-né, il doit le faire avec les autres parce que c'est un Dieu de justice. Je vais vous lire un passage dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, un passage que vous connaissez. Actes chapitre 2, versets 32 à 36. Là, nous sommes dans la prédication de Simon-Pierre à la Pentecôte. Regardez comment Simon-Pierre est en train de parler. Actes chapitre 2, versets 32 à 36. Simon dit, c'est Jésus. Dis à ton voisin, c'est Jésus. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Dis-lui, a ressuscité. Nous sommes tous témoins. Au verset 33, il est dit, élevé à la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit. Voyez? Élevé à la
droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Donc on dit ici d'abord c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Donc on parle de quelque chose qui s'est passé à la résurrection. Simon-Pierre est en train d'expliquer. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu. Donc comment Jésus a été monté? Comment Jésus est monté? L'ascension, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit est venu sur lui? Ici là, c'est comme si, lorsque Simon-Pierre explique ici, c'est comme si sur la terre, Jésus n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit ici. La Bible est en train de parler de la capacité d'avoir Christ en nous. Parce que quand tu deviens le premier-né de la nouvelle création, il faut que tu sois identifié à la nouvelle création. Est-ce que quelqu'un me suit? La nouvelle créature reçoit le Saint-Esprit après la nouvelle naissance. Est-ce que vous me voyez? Jésus avait reçu le Saint-Esprit sur la terre. Mais ici on dit, après qu'il soit monté à la droite de Père, il reçoit le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répondu comme le voyant et nous, comme nous le voyons et que nous l'entendons. Il a reçu, il a donné. Donc c'est un donneur. Voyez, c'est pas un receveur, c'est un donneur. Donc il reçoit le Saint-Esprit, il a donné. 34, il dit, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Au verset 36, on dit, que toute la maison d'Israël sache. Dis à quelqu'un, toute la maison d'Israël sache. Dis-lui, tu dois savoir. Simon donne une information capitale. Nous lisons la Bible, mais nous survolons la Bible, bien-aimés. Il faut s'arrêter sur des points clés où la Bible est en train de révéler des choses, les secrets les plus cachés. Au verset 36, Simon dit, que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur. Dis à quelqu'un, il a fait Seigneur. Et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Voyez? Donc, c'est après être passé par ce processus-là, que Jésus est devenu le Seigneur, c'est-à-dire que le propriétaire de tout ce que la terre renferme. Le Père lui a donné l'usufruit de tous ses biens. C'est là que Jésus est devenu héritier maintenant. Est-ce que tu me suis? Donc Dieu a fait de lui Seigneur et il a fait de lui Christ. Oui, distinguez bien cette différence. Il y a une différence entre le Jésus et Christ. La Bible dit ici, Dieu a fait de lui Christ. Parce qu'il a respecté ses processus. Est-ce que tu me suis? Dis à ton voisin, tu ne peux pas devenir chrétien comme ça, en claquant les doigts. Tu ne peux pas devenir chrétien. Tu aspires à l'enlèvement. Mais est-ce que toi, tu es chrétien d'abord? Est-ce que tu es passé par les processus? Beaucoup vont pleurer, bien-aimés. Lorsque Jésus reviendra, beaucoup vont pleurer. Jésus va laisser beaucoup. D'autres seront bien maquillés en fond de teint, les jambes croisées. Les autres sont en train de monter. Toi, tu es resté comme ça avec tes talons. Nous, on cherche les talons célestes. Toi, tu restes avec tes talons terrestres. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, change de chaussures. Change de chaussures. Parce que Jésus est attiré aussi par la qualité de tes chaussures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, pasteur, c'est une folie ça. Jésus est attiré par la qualité de tes chaussures. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils sont beaux et doux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Est-ce que tu m'entends? C'est-à-dire quand Jésus descend comme ça, il observe tes pieds et dit, waouh, comment il est en train d'annoncer l'évangile? Vous savez pourquoi? Quand Jésus est parti au ciel, quand il est descendu, une des missions qu'il a données aux apôtres, c'est d'aller annoncer l'évangile. Donc quand il revient, il voit tes pieds. S'il te voit, toi, tu as les chaussures, femme, chaussures aiguilles, bien, talons et tout, rincés, cirés. Il voit ça et dit, oh, mais dedans tes pieds sont sales. Beaucoup portent des belles chaussures, Weston, machin, tout ça. Mais vous avez des pieds sales à l'intérieur. Et Jésus, quand il revient, il ne prendra jamais ceux qui ont des pieds sales. Dis amen que je te parle. Il prendra les chrétiens, il prendra l'église, il prendra pas les enfants de Dieu, d'autres enfants de Dieu, mais vous allez rater l'enlèvement. Il y a certains qui sont enfants de Dieu, mais vous risquez de rester ici bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Au verset 36, on dit que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur, et Christ, ce Jésus, a fait Seigneur. Tu vois, le mot fait ici, c'est ce que les Grecs appellent poireo. Poireo, c'est quoi? C'est la production, la construction, la formation et le fait d'être façonné. Voyez? Donc, autrement dit, ce passage est en train de dire que Dieu a pris Jésus, Dieu a préparé Jésus, Dieu a formé Jésus, Dieu a façonné Jésus et
Dieu a produit Jésus et il est devenu celui qu'on appelle le Seigneur et le Christ. Est-ce que tu me suis? Oui, il est devenu le Seigneur et le Christ. Amen. C'est exactement le même mot ici qu'on dit faire là. C'est le même mot qui est utilisé dans Matthieu 4, verset 19, là où la Bible dit, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Donc on parle d'une transformation. Suivez-moi et je vous ferai. C'est le même mot qui est utilisé ici pour dire fabrication, façonnage, suivi des process et ensuite production. Est-ce que tu me suis? Donc Jésus est capable de prendre les pêcheurs qui étaient les pierres, les transformer, les modeler pour qu'ils deviennent les apôtres qu'on appelait Simon-Pierre. C'est la même chose que Dieu a fait avec Jésus. Donc, un enfant de Dieu qui devient chrétien, c'est un enfant de Dieu qui est passé par des processus que Dieu a pris le temps de façonner, Dieu a pris le temps de construire, de te construire, Dieu a pris le temps de te former pour que tu deviennes un chrétien comme tout le monde. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Voilà, voici, je vais vous expliquer une différence simple. Simple, comprenez les choses simplement. Le prénom Jésus, vous savez ce que Jésus veut dire? Jésus c'est quoi? Jésus c'était qui? C'était un homme fait de chair comme moi et toi. Jésus mangeait, Jésus buvait le vin. Est-ce que tu me suis? Il mangeait, il buvait le vin. La Bible dit de lui, il pleurait. Jésus pleura. Lazare est mort, Jésus a coulé les larmes. Jésus a pleuré. Jésus avait le chagrin. Jésus était attristé. Jésus pouvait être rempli de compassion. Donc Jésus, c'était un homme fait de sang comme moi et toi. C'est pour ça qu'il est notre frère. Est-ce que tu me suis? Un homme qui est fait de sang et comme moi et toi, que le Seigneur va, que Dieu va utiliser pour changer, pour transformer, afin qu'il devienne celui qu'on appelle le Christ. D'ailleurs, son prénom même Jésus. Vous savez, son prénom Jésus, c'est quoi? Jésus, en araméen, on dit Yehoshua. Yehoshua veut dire salut. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut qu'un enfant de Dieu né de nouveau ne s'arrête pas au stade de Jésus. Il faut que tu arrives à passer au stade du Christ. Parce que dans le stade de Jésus, ce que tu as reçu, c'est ce qu'on appelle le salut. Tu as reçu le salut. Tu as été sauvé. Recevoir le salut, c'est avoir la promesse de la vie éternelle. Mais recevoir le salut ne veut pas dire que systématiquement tu iras au ciel quand Jésus va revenir. Ça ne veut pas dire ça. Recevoir le salut, c'est être sauvé. Donc quand tu es Jésus, on dit souvent Jésus le sauveur. Parce que celui qui a le salut donne le salut. Donc à l'étape de Jésus, tu n'as que le salut. Amen. Tu as le salut. Donc le salut, on a dit que à la formation nous avons vu le salut, un cadeau contenant d'autres cadeaux. Le salut a des promesses à l'intérieur. Le salut a des promesses de la guérison. Le salut a la promesse de la vie éternelle. Le salut a la promesse de la richesse, de la bénédiction. Tout ça c'est compris dans le salut. Donc à l'étape de Jésus, tu as le salut. Et quand tu nais de nouveau, tu es encore à l'étape de Jésus. Dis à ton voisin, change d'étape. Dis-lui bien, change d'étape. Maintenant, à l'étape de Jésus, je disais, tu as le salut. Donc, quand Jésus n'était pas devenu Christ, son nom, je disais tout à l'heure, son nom n'était pas élevé. Mais je vais vous dire pourquoi. Pourquoi le Seigneur n'a pas élevé le nom de Jésus sur la terre? Quand Jésus était sur la terre, qui priait au nom de Jésus? Les apôtres priaient au nom de Jésus. Ils ne priaient pas au nom de Jésus. En présence de Jésus, personne n'avait prié au nom de Jésus. Parce que son nom n'avait pas de pouvoir. Ce nom n'était pas grand. Ce nom n'était pas élevé au-dessus de tous autres noms. C'était un nom ordinaire. Comme si on priait, on disait, au nom de Elvis, lève-toi, marche. Ça ne devait rien faire. Parce que c'était un nom qui n'avait pas d'impact. Alléluia. Est-ce que tu me suis bien? Si tu es sur Internet, commence à acclamer le Seigneur là où tu te trouves. Alléluia. Laissez-moi vous expliquer maintenant pourquoi Jésus a obtenu la stature de Christ. Pourquoi Jésus, qu'est-ce qui a fait que Dieu élève Jésus et que Jésus devienne le Christ? Pourquoi Dieu l'a fait? Regardez, nous allons lire un passage tout doucement. Philippiens 2, verset 5 à 11. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Philippiens 2, 5, 11. Note-le bien sur Internet. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Première chose, c'est quoi? Les sentiments.
qui était en Jésus-Christ. Quel sentiment avait Jésus-Christ? La Bible explique. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. C'est-à-dire malgré sa position d'égalité avec Dieu, parce qu'il est Dieu le Fils, mais il n'a pas considéré cette position. La première chose que Jésus a fait, c'est ça d'abord. En lui-même, il ne s'est pas regardé comme étant un Dieu parmi les hommes. Il n'a pas considéré cette position. Mais regarde-moi et toi, frère. Toi, tu es frère. Le jour où on dit seulement, tu deviens responsable de département. Tu commences à changer d'attitude. Tu commences à parler aux gens comme les chiffons. Surtout si on te dit, tu deviens assistant pasteur. Alors là, tapis rouge. Tapis rouge, tu commences à marcher comme ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de responsables d'église. Vous allez aller en enfer. Jésus va vous laisser tomber. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, aie les sentiments qu'avec Christ. Donc il n'a pas considéré sa position. Autrement dit, chaque fois que tu vas te regarder par rapport à la position, le poste que tu occupes dans le corps de Christ, tu vas chuter. On continue. On dit ici, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Verset 27, il est dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Vous voyez? Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Là, on est en train de parler du caractère qu'avait Jésus. Parce que quand on parle des sentiments, on fait référence à son âme, l'état d'âme qu'avait Jésus. Il s'est dépouillé en prenant la forme d'un serviteur. Il ne s'est pas considéré comme étant Dieu, comme étant le chef. Jésus était dans la posture de serviteur. Est-ce que tu me suis? Il a choisi les apôtres. Il a dit, Pierre, toi tu feras ceci. Judas, toi tu tiendras la caisse. Jean, toi tu resteras à côté de moi. Protocole, pastoral. Allez, marchez avec moi. Il a pris les apôtres. Mais la Bible dit de lui, Jésus, avant de partir, il s'est assis, il a demandé, emmenez-moi une bassine d'eau. On ramène une bassine d'eau. Lui qui était le Seigneur, lui qui était le maître, que les apôtres respectaient. La Bible dit qu'il s'est abaissé. Il s'est mis à genoux. Il a pris le linge, pas le linge qui était dans l'armoire, mais son linge de valeur qu'il avait sur lui. Il a enlevé ce linge sur lui. Simon Pierre l'observe et dit, mais qu'est-ce qu'il va nous faire encore ce gars-là? La Bible dit de lui qu'il prend ce linge, il plonge dans ce seau, dans ce vase d'eau-là, dans cette bassine d'eau, il commence à laver les pieds des apôtres. Au point où Simon Pierre était choqué, il dit, mais maître, comment toi, hein, Jésus, regarde comment les foules te suivent, hein? Toi qui as dans tes mains une boulangerie où tu lèves comme ça, le pain est grillé, ça commence à tomber. Tu mets comme ça, une cuisine sort, les poissons sont brisés, ça tombe. Comment toi tu vas nous laver les pieds? C'est nous qui devons te laver les pieds. Dis à ton voisin, un serviteur. Il s'est regardé comme un serviteur. Parce qu'il est passé par des processus. En devenant semblable aux hommes, la Bible dit, en devenant semblable aux hommes, au verset 8, et ayant paru comme un simple homme, voyez, ayant paru comme un simple homme, Jésus ne voulait pas que les gens sachent qu'il était Jésus tout de suite. C'est pour ça que quand sa mère, quand Jésus se est invité aux noces de Cana, dans un mariage, il arrive avec ses disciples, quand sa mère dit, allez lui demander le vin, Jésus dit à sa mère, mère, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Pourquoi toi tu me balances comme ça? Parce qu'il voulait se considérer comme un simple homme. Est-ce que tu me suis? Comment te considères-tu par rapport à ton poste que tu as, dans ton lieu de travail? Comment tu te regardes dans l'église, le poste qu'on t'a donné? Comment tu regardes les autres? Comment tu te vois dans ta famille? Tu es peut-être chef de famille, tu es peut-être le plus béni de ta famille. Comment tu regardes les autres? Est-ce que tu te considères comme un homme comme tout le monde? Vous savez, les chefs d'État, quand ils viennent dans leur entourage, vous n'allez pas croire que c'est des présidents de la République. Moi, je suis pasteur. Vous me verrez chez moi peut-être en train de marcher nu-pied. Vous me verrez assis par terre en train de jouer avec mon bébé. Voyez? Mais parce que je suis un homme. Est-ce que vous voyez? Quand je viens au milieu de vous, je peux manger avec vous. Je peux m'asseoir à côté de vous. Est-ce que vous voyez? C'est quoi? C'est comme ça, on met souvent. Nous sommes des leaders, nous sommes des responsables. Ne vous touchez pas, nous c'est le coin là-bas, eux c'est à distance, 4 mètres, sécurité, tout ça. Dis à ton voisin, tu risques de rater le ciel. Ah oui? Paru comme un simple homme, la Bible dit. Il est paru comme un simple
homme. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié, humilié. Donc, il acceptait de l'humiliation. Est-ce que toi, on peut te parler mal? Toi, est-ce qu'on peut te parler mal? Toi qui me suis là, est-ce que si on te parle mal, tu vas rester calme? Est-ce que si on te manque de respect en public ou devant ta femme, tu resteras calme? Est-ce que tu vas dire, chérie, on le pardonne? Est-ce que tu resteras calme? L'humilité. Quelqu'un vient devant toi, il gifle ta femme. Est-ce que toi, tu vas dire, chérie, pardonne? Est-ce que tu pourras dire ça? Je dis, pasteur, ça c'est quel homme qui ne défend pas la femme? Mais Jésus défend déjà ta femme. Est-ce que tu me suis? Donc, il acceptait d'être humilié lui-même et en se rendant obéissant jusqu'à la mort. S'il y a quelqu'un, la mort. Oui. Malgré la mort, il est resté dans l'obéissance. Il n'a pas dit, oh Seigneur, moi je ne meurs pas. Non, non, non. Pour ces gars-là, un gars comme Judas, moi je vais mourir pour lui. Non. Un colérique comme Pierre, je meurs pour lui. Non. Ah, je vais mourir pour Hérode. Un gars méchant, je vais mourir pour lui. Non. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, Dieu, Père, c'est ta volonté. Ce que toi tu veux là, c'est ça qui va se passer. L'obéissance. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es en train de me suivre? Est-ce que tu as le caractère qu'avait Christ? Est-ce que tu avais les sentiments qu'avait Christ? Est-ce que tu avais ce niveau d'humilité qu'avait Christ? Avant de dire aux gens, je suis chrétien. C'est moi, des fois, je suis dans mon lieu de travail. Quand j'écoute mes collègues parler, des fois, ça me fait rire. Je demande, vous êtes chrétien? Ah oui, oui, Elvis, moi je suis chrétien. J'ai été baptisé à 4 ans. Ma grand-mère était chrétienne. Elle avait un chapelet ici. Nous, on a toujours été à l'église. On assistait à tous les baptêmes et à tous les mariages. Vous voyez? Ils se disent chrétiens. Mais or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça être chrétien. Nous allons comprendre qui est véritablement chrétien. Ça, ce message-là te permet bien, mais si tu le suis bien, ça te permet de ne pas rater l'enlèvement. De te repositionner. Et je prie que tu te repositionnes. Si tu es enfant de Dieu, marche de manière à devenir un chrétien. Donc on dit, obéissant jusqu'à la mort, à la mort de la croix. Au verset 9, c'est là que la Bible dit, c'est pourquoi. Dis à quelqu'un, c'est pourquoi. Dis-le bien, c'est pourquoi. Voyez, c'est là que Dieu a vu tout ça. C'est là qu'il a commencé maintenant à changer les choses. On dit, quand il est mort à la croix, il a fini tout le processus, il est mort à la croix. Quand il est mort, c'est pourquoi ici la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Jésus est devenu supérieur. Mais sur la terre, il n'avait pas cette posture-là. Hérode pouvait le prendre. Il dit, mettez-le là-bas, tapez-moi ce gars-là, on le tape. On peut le prendre, on dit, allez là-bas, crucifiez-le, on le crucifie. On dit, allez là-bas, prenez-moi Jésus, mettez-le en prison 2 minutes. On va le mettre en prison 2 minutes. Parce qu'il n'était pas le souverain à cette époque-là. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est seulement après le process que Dieu a souverainement élevé Jésus. On n'a pas dit, Dieu a élevé Christ. Dieu a souverainement élevé Jésus. Premier niveau. Donc, Dieu commence à façonner l'être spirituel qu'on appelle le Christ. Dis-moi, amen. Dis-moi, amen, bien. Ah, je pensais que ton voisin allait acclamer ça. Depuis Internet, je pensais que tu allais acclamer ça. Parce que je suis en train de t'expliquer les choses les plus profondes. Souverainement élevé. Voyez. Après, on dit ici, et donc en plus. Donc, non seulement il a été élevé après le processus. On dit ici, en plus. Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Voyez? Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ça, c'est Dieu le Père dans le ciel qui avait ordonné qu'on appelle cet enfant-là par la voix de l'ange Gabriel qu'on appelle Jésus. Maintenant, Dieu va prendre ce nom-là, il va lui donner un nouveau nom. C'est-à-dire quand Dieu donne à Jésus un nouveau nom, le nom de Jésus ne change pas. Mais on parle de l'impact maintenant du nom de Jésus. Est-ce que vous me voyez? C'est pourquoi sur la terre, lorsque maintenant les gens pouvaient dire, dans le nom de Jésus, lève-toi et marche, les paralytiques sont en train de marcher. Dans le nom de Jésus, reçois la guérison. La guérison est manifestée. Dans le nom de Jésus, réveille-toi, les morts reviennent à la vie. Dans le nom de Jésus, fais cela. Alléluia. C'est parce que Dieu lui a donné un nouveau nom. Ce nom-là a reçu des aptitudes, des capacités, des potentiels. Quelque chose de nouveau qui n'existait pas sur la terre. Moi, je me rappelle, quand je ne connaissais pas encore le Seigneur, quelquefois je faisais des rêves bizarres. Est-ce que je parle à quelqu'un?
ça, tu dors comme ça, tu rêves. On est en train de t'appuyer. T'arrives pas à parler. Et tu, dans le rêve, tu te dis, au nom de Jésus, Jésus. Après, tu vas la main quitter. Mais pourtant, tu es encore païen. Mais le nom de Jésus a déjà l'influence sur. Dis à quelqu'un, touche ses genoux fléchis. Alléluia. Les genoux ne fléchissent pas seulement parce que tu es chrétien. Les genoux ne fléchissent à la mention du nom de Jésus. Alléluia. Hey! Ton voisin ne m'a pas compris. On dit afin que en son nom. Donc la finalité de ce nom, c'est que tous genoux fléchissent. Et on dit ici, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus, on dit maintenant Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu n'as pas compris. La Bible dit Jésus-Christ. Maintenant, on appelle plus Jésus. On dit Jésus-Christ. Donc, toute langue confesse que Jésus-Christ est qui? Seigneur. Waouh! Tous ceux qui peuvent parler, les animaux, les bétails, les hommes, tous ceux qui sont sur la terre, tous ceux qui ont la capacité de parler, reconnaissent que Jésus-Christ est le supérieur. Alléluia! Oui, Jésus est supérieur. Jésus est supérieur au roi de la terre. Parce qu'il est devenu Seigneur, Seigneur des rois de la terre. La Bible l'appelle le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Quand tu as le Seigneur Jésus comme étant souverain dans ta vie, les rois de la terre vont fléchir devant toi parce que tu as la marque du nom de Jésus qui t'accompagne. Est-ce que tu me suis? Laisse-moi t'expliquer des choses. Vous savez, la Bible parle d'un homme. Son nom était Daniel. Cet homme-là avait la foi en son Dieu. Mais on dit de lui que le roi a érigé une statue, il a exigé que tout le monde puisse adorer cette statue. Mais ce que le roi ne savait pas, c'est que Daniel avait un Dieu. Et ce Dieu-là avait un fils. Et ce fils-là était encore en forme d'agneau. Mais dans sa posture d'agneau, il avait déjà commencé à secourir les humains qui croyaient à son père. Que tu me suis. C'est ainsi que lorsqu'on prend, Daniel, on le jette dans la fosse aux lions. Les lions n'arrivent pas à dévorer Daniel. Parce qu'à l'intérieur de la fosse, il y avait un autre lion qu'on appelait le lion de la tribu de Juda. Est-ce que tu me suis? Qui protégeait, qui sécurisait les arrières de Daniel. Lorsqu'on a dit, bon, Daniel, toi tu es trop têtu, on prend maintenant tes compagnons de ministère. Mais chaque Shadrach, Abednego, on tourne la fournaise, on les jette à l'intérieur. Mais parce qu'ils avaient la mention du nom de Jésus à l'intérieur d'eux, ils avaient le bénéfice que leur Dieu leur accordait, parce que leur Dieu avait un agneau qui était préparé pour être le... Oh, quelqu'un ne m'a pas suivi. Pour être le meilleur, le Seigneur, le Dieu, le souverain, le roi, le puissant, le guerrier, le rédempteur de tout ce que Satan veut dévorer. Donc en ce moment-là, lorsqu'on les jette dans la fosse aux lions, ma Bible dit qu'il y avait un homme qui était en train de marcher avec eux dans les flammes. Ah, quelqu'un ne m'a pas suivi. Quand tu es dans les flammes, quand il y a des situations qui te dépassent, qui veulent te brûler, tu sens que tout va pas mal de partout et que tu vois que tu es désespéré. Tu attends que la mort, même sur les lits d'hôpitaux, si tu me suis depuis chez toi à l'hôpital, là où tu te trouves, je veux déclarer ce matin, à cause de la mention du nom de Jésus, tu rencontres celui qui marchait dans les flammes de feu. Le quatrième homme qui était avec Meshach, Shadrach, Abednego, il rentre maintenant dans ta chambre d'hôpital. Son nom est Jésus. Il a respecté les processus. Maintenant, il a reçu tout pouvoir. Il te touche et il te guérit. Mandarobushaka. Alléluia. Dans mon point ce matin que je voulais te dire, Dieu ne pourra jamais te lever tant que tu n'as pas respecté les processus. Il ne pourra jamais t'élever. Maintenant, parlons du nom de Christ. Comme on a fini le nom de Jésus, parlons un peu du nom de Christ. C'est qui Christ? Si nous avons compris, on voit que Christ, c'est le résultat de ce que Jésus est devenu. Dis à ton voisin, c'est le résultat. Les résultats, on l'obtient à la fin. Lorsque tu dois avoir le résultat d'un examen que tu as passé, c'est que tu as pris d'abord le temps de réviser, de préparer les épreuves, d'aller à l'école, noter les leçons. Ensuite, tu auras ce qu'on appelle le résultat. Le résultat, c'est la finalité. Donc, Christ, c'est la finalité de ce que Jésus est devenu. Maintenant, dans l'explication même du nom Christ, les Grecs disent Christos. Dis à ton voisin Christos. Christos
qui se traduit en français par Christ, ou en hébreu par Messia, Christos, Christ, Messia, ce qui signifie loin de Dieu. Loin de Dieu, c'est-à-dire une personne consacré, mis à part et qui a reçu une certaine dimension d'opération. Donc, à l'étape finale de Christ, vous allez reconnaître que ceux qui sont devenus chrétiens, vous les reconnaîtrez par leur dimension d'opération dans l'onction. Est-ce que tu me suis? Un des signes qui montre qu'une personne est chrétienne, il y a la dimension d'opération dans l'onction. Dis à ton voisin, désire l'onction. Désire l'onction. Désire l'onction. Désire l'onction. L'onction. Donc l'étape de Christ se caractérise par la dimension d'opération dans l'onction. Donc un enfant de Dieu, vous allez reconnaître qu'un enfant de Dieu qui est en phase ou qui s'apprête à devenir vraiment chrétien, il opère dans l'onction. Il a été mis à part, il opère dans l'onction. Amen. Il ne pleure pas. Oh, pasteur, prie pour moi. Eh, hey, pasteur, eh, hey, les démons. Eh, hey, pasteur, je ne dors pas. Eh, hey, non. Un chrétien, c'est celui qui a eu maintenant la capacité, la faculté, parce qu'il a le nom de Jésus, il a compris la parole et il a la possibilité de chasser les démons qui viennent dans sa maison et les sorciers de la famille sont en train de le fuir eux-mêmes. Dis à ton voisin, deviens chrétien. Dis-lui, deviens chrétien. Dis-lui, deviens chrétien. Oui, il faut que vous deveniez chrétien. Regardez comment l'auteur de l'épître aux Hébreux parle. L'auteur de l'épître aux Hébreux parle dans Hébreux chapitre 5. Hébreux 5, 12, 14. Hébreux 5, 12, 14. On dit ici, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque est encore au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. C'est-à-dire que le chrétien, c'est quelqu'un qui est, c'est un homme fait. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de crier lorsque les démons arrivent. C'est un homme fait. C'est quelqu'un qui a l'expérience de la parole. Il a compris comment fonctionne la parole. Il a marché. Est-ce que vous me suivez? Dis à ton voisin, tu dois devenir chrétien. Tu dois devenir chrétien. Et tu dois respecter les processus. Donc, l'heure est suffisamment avancée. Je vais définir ce que c'est qu'on appelle un processus. Et je vais vous donner les différentes étapes de processus. Et notre culte de Pentecôte va nous permettre de développer ces processus. Donc le dimanche prochain, nous allons développer quels sont les processus pour devenir un chrétien sur la terre. Donc voici. Lorsqu'on parle de processus, on parle d'un ensemble d'actions qui a un but précis. Donc c'est des actions qu'on met en place qui visent un but précis. Les Anglais appellent ça process. Oui. Process, processus. Donc, dans un processus, vous allez trouver des étapes indispensables, des étapes incontournables qui vous permettent d'atteindre le but que vous êtes fixé. Est-ce que tu me suis? Donc, pour devenir chrétien, tu vas devoir passer par quatre étapes du processus. Dis à ton voisin, quatre étapes du processus. Quatre étapes du processus. Pour que tu deviennes chrétien, tu dois expérimenter ces quatre étapes du processus absolument. Alors, l'étape numéro 1, l'étape numéro 1, c'est quoi? L'étape numéro 1, c'est ce qu'on appelle la Pâque. Vous savez, tout a commencé à la Pâque. Dis à ton voisin, tu dois expérimenter la Pâque. Oui. J'ai dit, oh pasteur, comment tu me parles de Pâque? Oui. Pourquoi je parle de Pâque? Je vais développer ça le dimanche prochain. Parce que à la Pâque, c'est là qu'on parle d'un agneau. À la Pâque, tu dois être dans la dimension de quelqu'un qui a la capacité de se laisser immoler. À la Pâque, c'est là où c'est l'étape où tu es en train de rentrer dans des procédures de souffrance. Parce que la résurrection viendra, mais la résurrection viendra qu'après. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es un agneau? On parlera de ça. Alléluia. Deuxième étape de ce processus, c'est ce qu'on appelle l'ascension. Dis à ton voisin, l'ascension. L'ascension, c'est la montée. La montée. Lorsque l'ascension arrive,
tu accèdes donc après la Pâque, tu es immolé, tu passes maintenant à la dimension de l'ascension. C'est quoi la dimension de l'ascension? La dimension de l'ascension, c'est lorsque la gloire arrive. Lorsque les hommes commencent à voir vraiment le chef-d'œuvre que tu représentes, la gloire, les hommes commencent à te glorifier, ton nom est devenu grand, tout le monde commence à parler de toi. Ah, le pasteur Elvis, c'est plus le pasteur d'une église de 2 personnes. Maintenant, l'église est passée à 4000 personnes. Oh, je veux voir le pasteur Elvis, sœur divine, rendez-vous, je veux voir cet homme. On va te dire maintenant, avant tu avais un jour pour me rencontrer, on va te dire maintenant, il faut attendre 6 mois parce que la liste est grande. C'est ton voisin, l'ascension. L'ascension ne vient pas avant que tu ne passes par la Pâque. Donc avant l'ascension, tu vas devoir d'abord être un agneau qu'on va immoler. Troisième étape, c'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Dis à quelqu'un la Pentecôte. Dis-le bien, la Pentecôte. Troisième étape du processus pour devenir enfant de Dieu, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la montée au ciel de Jésus. C'est avec la Pentecôte, c'est plutôt l'arrivée de l'Esprit de Dieu. Amen. L'ascension, c'est la montée. Mais la Pentecôte, c'est l'arrivée de l'Esprit de Dieu. C'est là que tu vas expérimenter ce qu'on appelle une dimension de puissance. Déjà, il y a une dimension de puissance. Un chrétien doit opérer dans une dimension de puissance. Alléluia. Dimension de puissance, où tu passes comme ça, que les gens à côté de toi sont en train de tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, ça fait du bien de connaître que Dieu est avec toi quand tu expérimentes la puissance. Je me rappelle, on avait un culte ici à l'église où j'avais appelé un frère qui priait avec moi souvent, le frère Jean-Claude. On était avec lui dans le bureau, donc on a pris du temps. J'avais vraiment envie de prier le Seigneur. J'avais déjà fini le message. Je lui ai dit, Jean-Claude, il faut que tu viennes à l'église tôt. J'ai vraiment besoin que tu sois à côté de moi. Il est venu, nous avons prié. Donc, quand vous êtes venu au culte, nous avons déjà fait au moins plus d'une heure de prière dans le bureau. On a prié. Après, j'ai pris le message. À cette époque-là, j'avais des papiers, des feuilles. J'ai pris mes feuilles. Je suis descendu. Quand je passais, je suis passé par derrière, je suis rentré comme ça. Il y avait une sœur qui était juste à l'angle à côté. Pendant que je passais comme ça, le Saint-Esprit a saisi cette sœur-là. Elle s'est mise à crier. Et moi, j'ai regardé et dit, waouh, Seigneur, je suis parti m'asseoir. Quand j'ai sorti, j'ai adoré Dieu. Dis à ton voisin, découvre la puissance. Oui, la puissance. C'est-à-dire que, on dit que Paul, l'apôtre Paul, Pierre, il marchait comme ça, son ombre guérissait les malades. Paul, il prenait un mouchoir comme ça, il le suit comme ça, pam. On met sur les malades, ils sont guéris. Mouchoir. Donc l'étape que tu vas expérimenter, c'est la Pentecôte. Dis à quelqu'un, troisième étape, la Pentecôte. Vous avez lu ici que Jésus, le Père lui a donné le Saint-Esprit. C'était sa Pentecôte à lui. Après la mort, Pentecôte. La nouvelle création doit passer par une Pentecôte. Est-ce que tu me suis? Les apôtres sur la terre ont reçu leur Pentecôte dans la chambre haute. Est-ce que tu me suis? Mais toi, est-ce que tu as expérimenté la Pentecôte? Que tu es chrétien, tu n'as pas encore fini les processus. Tu es encore enfant de Dieu. Tu es notre frère. On est d'accord avec ça. Nous sommes tous nés des mêmes pères. Mais tu n'es pas encore chrétien. Si Jésus revient, tu peux rester. Parce qu'il y a un processus. Il y a un processus. Et l'autre étape qui reste, c'est ce qu'on appelle 4e niveau de processus et dernier niveau de processus. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Dis à quelqu'un l'enlèvement. L'enlèvement, c'est le départ vers l'éternité. C'est le départ vers l'éternité. Donc, ne seront enlevés seulement ceux qui sont chrétiens, qu'on appelle épouses de Christ. Parce qu'on vous appelle épouse de Christ. On ne vous appelle pas épouse de Jésus. Parce que quand Christ revient, il va vous identifier parce que vous êtes comme lui. Si tu n'es pas comme lui, il ne peut jamais te prendre. Alléluia. On va se lever, nous allons prier. Je vais demander à la louange de venir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons lever nos voix, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta parole, mais laisse-moi rentrer dans les processus afin de devenir non seulement un enfant de Dieu, puisque je le suis déjà, de devenir vraiment un chrétien, que je sois semblable à Christ, que j'expérimente l'ensemble des étapes, Seigneur. Les 4 étapes que tu as évoquées par la bouche de ton serviteur, je veux les expérimenter, Seigneur. C'est ce matin. Lève ta voix, prie maintenant. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi.
avec moi. Seigneur, la parole déclare, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils, la révélation des chrétiens, la révélation de cette église glorieuse, puissante, sans tache ni ride, cette église que tu viendras chercher lorsque tu reviendras, cette église qui a expérimenté la Pâque, cette église qui est passée par l'ascension, la dimension de gloire que tu nous as donnée dans le royaume, cette église qui marche par l'esprit et qui a expérimenté la puissance de Dieu sur la terre, qui guérit les malades, qui ramène les morts à la vie, qui fait marcher des paralytiques. Cette église, Seigneur, qui est puissante, glorieuse, cette église qui est capable d'ouvrir les portes que l'ennemi a fermées. Seigneur, dans les derniers jours, nous finirons cette phase de processus dans l'enlèvement. Nous savons que tu reviendras pour nous enlever. Nous sommes ton église parce que tu es notre épouse, Seigneur. Tu es l'épouse. Nous sommes l'épouse, toi tu es l'époux. Alors ce matin, Seigneur, souviens-toi de chacun de nous. Lève ta voix, dis-lui, Seigneur, fais de moi un chrétien. Fais de moi un chrétien, Seigneur. Je marchais dans l'amalgame, mais ce matin, je veux devenir un chrétien. Je veux devenir un chrétien. S'il te plaît, Jésus, fais de moi un chrétien. Je t'en supplie. Fais de moi un chrétien. Je ne peux pas rester à ce stade. Je veux expérimenter plus que ça. Il me manque l'humilité. Accorde-moi la capacité d'être humble. Parce que je sais que sans l'humilité, l'ascension ne viendra pas. La gloire ne viendra pas. Car il est écrit, l'humilité précède la gloire. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Fais de moi un chrétien. Alors toi qui me suis devant Internet, qui n'est même pas encore devenu enfant de Dieu, tu n'es pas encore rentré dans le processus même de la nouvelle naissance, je vais te demander simplement de prier avec moi. Je vais te parler d'un homme, son nom est Jésus. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de te pardonner. Lui ne t'accuse pas. Il est capable d'annuler tout ce que tu as posé comme mauvaise action. Il est capable de changer ton image et de changer ta vie. Alors si tu n'as pas encore commencé le processus à l'étape de la nouvelle naissance, je vais simplement te demander de prier avec moi. C'est simple. Il n'a pas besoin de te demander l'argent. Tu ne paieras pas pour ça. Car le salut est totalement gratuit. La Bible dit le don gratuit de Dieu, c'est le salut en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors tu es devant ta télé en train de me regarder, tu es devant ton téléphone en train de me regarder, devant ton ordinateur, devant tes enfants. Tu sais que tu n'es pas encore chrétien, tu n'as même pas commencé la nouvelle naissance. Tu vas faire cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'ai compris que le ciel est réservé aux chrétiens. Seigneur, ce matin, je te donne ma vie et je viens te demander pardon pour toutes les fois où j'ai marché sans toi. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Amen.